Mesdames, messieurs, il met un terme aujourd'hui à une carrière de 16 saisons avec le club de soccer L'Impact de Montréal. Il a conclu sa carrière avec un total de 291 matchs de saison régulière, dont 248 départs et plus de 23 000 minutes de jeu. He ranks second all-time in appearance, games started and minutes played. He also won 3 playoff championships, 5 regular season titles and 1 Canadian championship. Il a été nommé joueur défensif de l'Impact en 2005, 2009 également en 2010, en plus d'être sélectionné sur l'équipe d'étoiles de la Ligue à 4 reprises. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour une dernière fois, le numéro 5, number 5, Nevio Pizzolito. Bonjour à tous et merci d'être ici en si grand nombre. Je suis ici aujourd'hui pour annoncer ma retraite comme joueur professionnel. J'ai vécu 17 très belles années comme joueur professionnel. 16 avec l'Impact, et je vais les tenir avec moi, près de mon cœur, pour toujours. It is never easy for a player to come to terms with this decision, but I honestly feel very comfortable with it, and I'm glad that I'm ending my career with the team that gave me my very first opportunity to professional soccer. I am grateful to the club for all that they have done for me over the years, and I wish them the very best for the future. I would like to thank Joey and the Saputo family for all that they have done for this sport in this province and for giving me the opportunity to live out my childhood dream. Joey, your passion for this team and your drive to make it better has been an inspiration for me throughout the years. There was no other team in North America that I would rather play for, and I was extremely proud to wear the Impact jersey. I have been lucky to play with and get to know many great people with this club, whether it was in the front office or in the locker room. There are way too many people to thank in this short period of time I have with you today, but I just want to thank everyone who has been a positive influence to me throughout the years, especially my former coaches and my teammates. I will definitely miss coming to the dressing room every morning and working alongside such great people. We have been through a lot of battles together, and we can definitely be proud of our accomplishments. To the media and fans, I'd like to thank you all for your continuous support and encouragement. You have helped build the popularity of the sport in this city over the years, and you are a big reason Montreal is where many players want to come to play. I would also like to thank my family for their unconditional support over the years, and could have never reached my goals without them. You guys were always there for me and brought me a lot of joy to see you at the stadium during every home game. And lastly, but most importantly, to my lovely wife, Carly, thank you for being there for me through the good times and bad. I'm sure it hasn't been easy over the years as I traveled, dealt with injuries, and reviewed game tapes at night during our downtime. You have always supported me in my decisions, and you are the one person I could lean on. You are my life, and I love you very much. After a lot of thought and consideration, I have decided to continue on with my family business in a full-time basis, which is the only reason I am not staying on with the club. I have also accepted a technical director position of Montoy Soccer in Laval on a part-time basis. It is important for me to stay involved in soccer and to try and help the next generation of players succeed. I am looking forward to the challenges that lie ahead and hope that I can now make a significant contribution off the field. So once again, thank you very much for your time, and I look forward to seeing everyone at the stadium throughout the season. Thank you very much. On dit que on se sent vieux quand tu as une de tes employés qui se détire avant toi. C'est sûr que si on a bâti cette équipe, on a bâti avec des joueurs comme Nevio, des joueurs jeunes, locaux. Et je vais dire qu'on voit un joueur comme Nevio qui se retire. Mais je suis content qu'il va rester dans le soccer parce que c'est une jeune qui va aider énormément la progression du soccer ici au Québec. C'est un jeune homme avec une tête sur ses épaules et il aime le soccer, il aime aider. Et je pense que les jeunes de l'association de Montreuil, ils sont très contents de l'avoir comme un directeur technique. Oui, je pense que Nevio, à la fin, c'était un des joueurs, une des personnes qui a bâti cette club. Si le club aujourd'hui elle est dans la MLS,
C'est grâce aussi à des joueurs qui sont dévoués au club. Et Nevio, ça fait 17 ans qu'il était avec le club. Je me rappelle la première journée à 16 ans qu'il est rentré dans le vestiaire, tout gêné. Et c'était une personne qui voulait le succès pour l'équipe. Il a toujours joué pour l'Impact de Montréal. Il avait beaucoup de fierté. Il l'a montré à chaque année, même comme une jeune qui grandissait avec le club. Après, comme capitaine, il a toujours donné son 100% chaque match, chaque entraînement. Le monde qui venait de l'extérieur, il sentait toujours qu'il y avait un noyau de joueurs qui représentait cette club, qui avait une certaine identité. Et Nevio, il était responsable de cette identité. Pour moi, Nevio, c'était le général tranquille. C'est une force derrière moi à la défense. Quelqu'un qui pouvait me crier un petit peu après de temps en temps pour me réveiller. Mais surtout, ce qui m'a toujours impressionné, ce que j'ai toujours admiré chez Nevio, c'est son désir de vaincre. Il a combattu beaucoup, il a souvent joué blessé ou malade. Puis il était toujours à son meilleur dans les matchs importants. Vraiment, c'est quelqu'un sur qui on pouvait compter. Toujours en train d'élever son niveau, par exemple, dans les séries éliminatoires ou les finales. Un leader. Quand il était déjà dans l'Impact, quand moi j'étais partisan, j'étais assez fier de pouvoir jouer avec lui.